Voici ce que cette ligne sur la paume de la main Hervé point d'interrogation inversez-le sur votre vie et votre personnalité. Apprendre à lire les lignes de la main et découvrir ce qu'elles dévoilent sur la personnalité et le comportement. Depuis des milliers d'années, les hommes sont curieux de savoir ce que Hervé point d'interrogation inversé lent les lignes de la main au sujet de leur tempérament. Cette discipline est aussi appelée le chiromancie. Différentes pratiques similaires se sont développées telles le tirage du tarot, l'astrologie ou encore la cartomancie. La chiromancie comme celle de compréhension de la personnalité de chacun existe depuis plus de 5000 ans. Elle s'est perfectionnée au fil du temps puis s'est transmise de génération en génération. En chiromancie, il existe trois différentes lignes, la ligne de T, négation logique T, la ligne de vie et la ligne du COUR. La ligne du COUR est ce qui donne des indications sur la vie amoureuse ainsi que sur le tat du COUR, en tant qu'organe. Pour découvrir ce que cette ligne sur la main peut nous apprendre, il est nécessaire de la délimiter d'abord. La ligne du COUR commence vers le centre de la main sur le bord de la paume et finit vers l'auriculaire. Quelle est votre ligne de COUR? Parmi les dessins propos, si le numéro 1 représente votre ligne du COUR, vous, négation logique, t'es quelqu'un de particulier, point d'interrogation inversement ambitieux, TR point d'interrogation inversé S intelligent et indépendant. L'inconvénient avec cette ligne, c'est que vous, négation logique, t'es susceptible d'afficher une sorte d'égocentrisme ou de donner l'impression négation logique très artificielle. Les personnes qui posent point d'interrogation inversé dans la ligne correspondant au dessin numéro 2 sont généralement dignes de confiance, sympathiques et pervenantes. Mais ce type de personnalité a tendance à offrir son COUR-TR point d'interrogation inversé S rapidement. Il est donc important d'apprendre à se projeter quand il le faut, M, négation logique mais si cela peut prendre du temps. Quant aux personnes PR sentant une adéquation avec le dessin numéro 3, celles-ci sont de nature calme et confiante qu'elles soient seules ou en couple. Enfin, la ligne du COUR numéro 4 nous apprend que cette catégorie de personnes sont TR point d'interrogation inversé S patiente, attentionnée, calme et chaleureuse. Ces profils sont en effet généralement les plus charitables de tous.